Tous aujourd'hui dans cette vidéo, j'avais envie de vous expliquer comment se déroule un soin énergétique avec moi en présentiel. Alors après, je fais des soins à distance aussi, mais c'est plus rare. On va se concentrer maintenant sur les soins en présentiel. Après, je parlerai aussi du dégagement d'entité de lieu et de personne. Enfin, je vais expliquer en fait comment moi je fais en soins. Alors, quand une personne vient me voir en soins énergétiques, déjà je vais prendre la méthode de soins qui est la plus adaptée pour elle. C'est-à-dire que quelqu'un qui a besoin de travailler sur le passé, sur l'enfance, sur les blessures, d'abandon, sur tout ce qui est traumatisme en fait lié à l'enfance, eh bien je vais utiliser du Reiki Karuna. Quelqu'un qui a une pathologie lourde, une maladie assez lourde avec des traitements médicamenteux qui sont lourd, et ben je vais utiliser le triangle d'or d'Isis, puisque Isis, c'est vraiment avec son énergie qu'on soigne les pathologies lourdes. Donc pour quelqu'un qui a des maladies lourdes, on va apaiser en fait la maladie avec le triangle d'or d'Isis. Si c'est quelqu'un qui a besoin de se recharger parce qu'il est fatigué, parce qu'il n'en peut plus, parce que l'énergie elle est en baisse, on va utiliser de l'Aoshi 13e octave avec les 13 maîtres ascensionnés. Alors le Laoshi 13e octave, c'est un Laoshi, donc c'est une technique de guérison qui regroupe le maître Laoshi et les 13 maîtres ascensionnés qui sont autour de vous pendant le soin. C'est ce que j'utilise en majeure partie. Et ensuite, j'utilise en combinaison avec toutes ces techniques les rayons sacrés pour harmoniser en fait les énergies. Par exemple, quelqu'un que j'aime bien, je vais lui mettre un rayon rubis doré. Quelqu'un qui a besoin de protection, je vais lui mettre un rayon bleu. Quelqu'un qui a besoin de guérison, je vais lui mettre un rayon vert. Voilà. Mais quand je veux en fait amplifier une relation avec une personne parce que je trouve qu'elle est sympathique, eh ben j'envoie le rayon rubis doré automatiquement en fait autour d'elle et ça décuple en fait la tendance de la relation. Donc pendant le soin, comment ça se passe? La personne elle est allongée sur la table. D'accord? Et moi, j'ai les mains posées à différents endroits du corps, donc la tête, les épaules, le plexus solaire, le ventre, le cœur, enfin tout y passe en fait. Le chakra des genoux, le chakra sacré, les pieds, le dos, etc. Et pendant que je vais avoir les mains posées sur vous en fait, eh bien, j'ai des messages qui vont venir. Alors les messages qui vont venir, ça va être par rapport à vous. Pour vous aider à avancer, pour débloquer une situation, pour vous aider à travailler certaines de vos blessures, ou mettre le doigt aussi sur quelque chose qui n'est pas encore mis en lumière, et ben grâce à un soin énergétique avec moi, on va pouvoir en fait, grâce au guide et au message des guides, aller travailler et mettre en lumière ce qu'il y a à mettre en lumière. D'accord? Donc chaque soin est différent. Pendant 1 heure, vous êtes avec moi et j'ai les mains posées en fait sur votre corps physique et je canalise les messages en même temps. C'est-à-dire que voilà, il y a les guides qui me disent bah, pour telle personne, il y a ça et ça et ça que tu dois lui dire. Ok, les guides, pas de problème. Alors après, chaque soin est différent, chaque énergie est différente et chaque message est différent. Donc pendant 1 heure, je vous soigne et la personne ressent en fait, hein, voilà, que ça chauffe, que ça picote, qu'il y a des frissons qui sont en train de l'entourer. Et ben en fait c'est l'énergie de mon soin qui agit. D'accord? Et souvent en fait après un soin la personne se sent beaucoup mieux, elle retrouve le sourire, elle retrouve l'envie d'aller de l'avant aussi. La plupart des personnes qui me consultent en présentiel pour les soins, à chaque fois, y reviennent. Voilà. Sauf si vraiment le contact n'y passe pas, chose qui est rare, faudrait vraiment que ça soit une personne toxique pour que le contact ne passe pas. Mais pour l'instant, c'est jamais arrivé. Je touche du bois. C'est jamais arrivé. Et puis ensuite, pendant un soin énergétique, alors parfois, hein, pas tout le temps, mais parfois, quand la personne est polluée, eh bien, elle me demande de faire un dégagement énergétique en même temps. Donc quand c'est comme ça, comment ça se passe? Je fais des prières, en fait. Je fais des prières qui vont déprogrammer des choses sur la personne, donc tout ce qui est magie noire, tout ce qui est lien toxique, tout ce qui est mémoire du passé. Et bien en fait, ces prières vont déprogrammer les mauvaises énergies sur la personne. Et donc ça s'appelle un dégagement d'entité et de personne. Voilà.
Et ensuite, je ferme les vortex au niveau astral pour que la personne, elle puisse plus se faire parasiter par des entités, d'accord? Et une fois que la personne est propre énergétiquement, eh bien, voilà. Après, j'entame en fait la partie soin. Voilà. Et après un soin, eh bien, la personne, elle retrouve en fait son énergie vitale, voilà, un meilleur sommeil. Parfois un éveil spirituel, ça dépend du soin qu'on veut faire et de la situation de chacun. Et parfois il y a des personnes qui pleurent aussi quand je leur délivre des messages parce que ben, je tape en fait dans le mille. Mais c'est pas moi qui décide, hein, c'est les guides. Hein. Donc voilà, c'est grâce à eux que je canalise. Moi, au départ, quand vous arrivez, je ne connais strictement rien. Alors, pour vous mettre à l'aise, j'utilise ma simplicité. D'accord? Et en fonction de du contact que je vais avoir avec la personne, s'il est positif, je vais en fait décupler toutes mes capacités et mettre toutes mes capacités à son service. C'est-à-dire la nettoyer de fond en comble, quoi. Et la soigner de fond en comble. Alors, moi, j'utilise le terme soigner parce qu'on soigne, on apaise, d'accord? On ne guérit pas. Nos techniques énergétiques sont une contribution en fait au traitement de la médecine physique. Naturellement, si vous avez un traitement médicamenteux, ne l'arrêtez pas, d'accord? En aucun cas, on arrête un traitement médical. Nous, on est là juste en tant que thérapeute pour aider les autres, mais vous pouvez continuer vos traitements médicaux si vous en avez, d'accord? Ça ne remplace pas. Voilà. Nos soins, c'est une aide, en fait. C'est un accompagnement par rapport à votre situation, par rapport à votre pathologie. Voilà. Et puis. Voilà, nous on est là en tant qu'aide, mais les médicaments, si vous en avez, continuez de les prendre. Et puis naturellement, moi je vous aiderai aussi avec des pierres qui vont correspondre en fait à votre pathologie et qui vont vous permettre de travailler sur vous pour débloquer ce que vous voulez débloquer dans votre vie. Voilà. Un exemple de quelqu'un qui a besoin de protection, je vais lui conseiller une tourmaline ou une pierre de protection. Quelqu'un qui a besoin d'amour, de tendresse, de douceur, on va partir sur du quartz rose et du lapis lazuli. Quelqu'un qui a besoin de communication, on va partir sur du turquoise. Quelqu'un qui a besoin de s'éveiller spirituellement, on partira sur, par exemple, l'améthyste. Voilà. Mais à chaque fin de soin, avec moi, je vous conseille en fait des pierres ou des techniques, des exercices en fait. Que je vous donne pour vous permettre de travailler encore sur vous une fois m'avoir quitté pour que vous fassiez en fait vous-même votre propre processus de guérison sans forcément avoir besoin de moi tout le temps. Moi, je recommande souvent à mes patients un soin par mois. Après, c'est eux qui voient s'ils viennent ou ils viennent pas. Et en fonction aussi de leur envie et de leur énergie du moment. Voilà, mais en majeure partie, je conseille un soin par mois. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a éclairé. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ah oui, aussi pour les soins à distance, alors je peux en faire. Pour les soins à distance, je peux en faire. C'est beaucoup plus rare, mais je peux en faire. Dans ces cas-là, il me faudra votre prénom, votre nom de famille, votre date de naissance. Votre problématique et je vais trouver en fait la technique adéquate, mais tout ce qui est soins énergétiques, franchement, je préfère que ça soit fait en présentiel pour une efficacité bah, maximale en fait. Mais si jamais ça doit être fait à distance, je vous expliquerai comment procéder. Il faudra prendre contact avec moi et puis m'expliquer un petit peu ce que vous voulez débloquer. Et suite à ça, je vais trouver la technique adéquate pour vous aider en fait à débloquer le truc ou en tout cas commencer à avoir un début de déblocage. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au plaisir de vous retrouver.